Bonjour tout le monde, c'est Soulef avec vous. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous deux recettes anti-gaspillage, des recettes très bonnes, très délicieuses et surtout très faciles à réaliser à base de riz. Donc ça m'arrive généralement quand je fais un plat, qu'il soit à base de riz ou accompagné de riz, il m'en reste toujours du riz blanc. Par exemple, quand je fais du chili con carne, je vais vous passer le lien en bas dans la boîte de description. Je l'accompagne toujours avec du riz parce que mes enfants aiment beaucoup ça. Et des fois, ils mettent plus de sauce que de riz et il m'en reste du riz au frais. Donc, ce que je fais avec ça d'autres recettes que les enfants peuvent déguster et qu'ils adorent beaucoup. Donc, aujourd'hui, j'ai deux recettes à partager avec vous. Une recette de riz façon riz cantonné. Pourquoi je dis façon riz cantonné? Parce que moi, dans cette version, je vais utiliser du cachir et le résultat est vraiment super. La deuxième recette, ça va être un riz parfumé au pois chiche, très bon, très délicieux, que je réalise souvent pour accompagner du poulet rôti. Alors directement, on va faire ensemble la première recette, puis on va passer à la seconde recette. Pour la recette du riz façon riz cantonné, je vais avoir besoin bien sûr de riz blanc, cuit et refroidi. Je vais avoir besoin de carottes, d'oignons, vous pouvez utiliser de l'oignon vert, de maïs, comme je vous ai dit, de cachir coupé en cubes. Si vous n'avez pas ce cachir, je vais vous passer le lien de la recette du cachir fait maison en bas dans la boîte de description. On va avoir besoin de petits pois, comme vous voyez ici, c'est des petits pois surgelés. On va avoir besoin de poivre noir, de sel et de sauce soja. J'ai tout coupé en petits cubes et directement on va passer à la préparation. Alors un des ingrédients que je n'avais pas présenté dans ma recette, c'est l'huile. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive ou bien de l'huile végétale. Donc une petite quantité d'huile d'olive, juste pour faire revenir mes ingrédients. Donc on va commencer par faire revenir le cachir, les carottes ainsi que l'oignon. Alors j'attends juste que ça préchauffe un petit peu. Je vais ajouter le cachir que j'ai coupé en petits cubes. Les carottes aussi coupées en petits cubes. Ainsi que l'oignon, et je vais faire revenir tout ça. Donc ça, c'est pas le riz cantonné original, c'est ma façon de préparer le riz cantonné. Continue à remuer jusqu'à ce que l'oignon devienne bien translucide, les saucissons ou le cachir ici soient bien dorés, les légumes dans ce plat restent bien croquants. Il faut surveiller pour que ça ne brûle pas. À ce stade de la préparation, je vais ajouter un peu de sel. Donc là, j'ai ajouté juste un quart d'une cuillère à café parce que mon riz est cuit dans le sel. Je vais ajouter un peu de poivre noir. Et je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de sauce soja. Comme ça. Je fais caraméliser mes ingrédients. Je vais aussi ajouter mes autres légumes. Si vous aimez, vous pouvez ajouter ces légumes vers la fin de la cuisson. Il y a des gens qui aiment que ça reste croquant et frais. va introduire le riz. Il ne me reste plus qu'à ajouter des œufs battus en omelette. Et on va bien mélanger le tout. Donc c'est la dernière étape de notre recette. Comme vous voyez, très simple et facile. Et comme ça, mon riz cantonné ou le riz façon cantonné, un riz à ma façon avec du cachir est prêt. Là, je vais juste laisser refroidir et on va passer à table. Vous pouvez le décorer avec un peu de persil, sinon un peu de graines de sésame et de graines de nigel. Et voilà, votre riz façon cantonné est prêt. Maintenant, on va passer à la seconde réalisation. Pour la seconde recette que je vais préparer, ça va être du riz au pois chiche parfumé à la façon indienne, un délicieux riz que je fais souvent pour accompagner mon poulet rôti ou encore des grillades. Il est trop bon, très délicieux. Il est surtout apprécié par ma fille parce que ça contient des raisins secs et ma fille aime beaucoup les raisins secs. Alors pour cette recette, on va avoir besoin du riz cuit dans de l'eau salée qu'on a bien laissé refroidir, vous voyez. On va avoir besoin des pois chiches pré-cuites ou bien des pois chiches en conserve qu'on aurait bien égoutté. On va avoir besoin d'oignons frits. Ici, je vais utiliser l'oignon frit du commerce. Si vous n'avez pas cet oignon, vous pouvez facilement le préparer maison. Vous n'avez qu'à couper l'oignon en lanières, l'enrober avec un peu de farine et le faire frire dans une huile bien chaude par petite quantité. Et chaque fois, vous allez le faire égoutter sur du papier sopalin ou du papier absorbant pour avoir votre quantité d'oignons frits pour cette recette. On va avoir besoin de coriandre et persil. On va avoir besoin pour parfumer notre riz de curry ou de curry en poudre, de cumin, de sel et d'un peu de poivre noir. Et pour la cuisson, on va avoir besoin d'un peu d'huile d'olive extra vierge. Directement, on va passer à cette réalisation. Je vais faire revenir comme ça dans un peu d'huile, un peu de curry, de cumin, ainsi que les pois chiches, comme ça, on va bien faire revenir. Je vais ajouter un peu de sel, je prépare à ajouter une petite quantité de sel, parce que mes pois chiches sont déjà pré-cuits dans un peu de sel, comme ça. On ajoute maintenant le riz et le reste des ingrédients. Comme vous voyez, c'est une recette très simple, surtout quand vous préparez vos ingrédients à l'avance. Alors, je mets le tout en même temps, l'oignon frit, la coriandre et le persil, les raisins secs, et on va juste bien mélanger le tout. Un peu de poivre noir. Un petit peu baisser le feu, couvrir, normalement comme ça ma recette est prête. Comme vous avez vu, c'est une recette très simple et très facile. Voilà, et comme ça cette recette est prête. Il ne reste plus qu'à dresser dans des plats et passer à la dégustation. Et comme ça, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre réalisation. Donc, on a préparé du riz aux pois chiches et raisins parfumés à la façon indienne avec du curry. Très, très simple et très facile. Et un riz cantonné avec du cachir. Aussi, une recette très simple et facile, délicieuse toutes les deux, qui accompagne super bien des grillades et du poulet rôti. J'espère que vous avez aimé ces deux réalisations. J'espère que vous allez les réaliser. N'oubliez pas de m'envoyer les photos sur mon email amourdecuisine@gmail.com. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bisous.